Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons travailler nos réflexes. Il est temps de parler du jeu à la volée. C'est parti! L'objectif est de frapper la balle avant le rebond et de la remettre de l'autre côté du filet. Lorsque vous montez à la volée, cherchez à vous placer entre la ligne de service et le filet au moment de la frappe adverse. Vous devez être très dynamique dans votre attitude d'attention, avec la main gauche au cœur de la raquette. Dès que vous percevez la direction de la balle, avancez pour la frapper avant le rebond en adaptant votre prise à la hauteur de la balle. Présentez le tamis face à la balle en orientant légèrement les épaules et en conservant votre main gauche au cœur de la raquette. Frappez la balle devant vous dans un mouvement court tout en avançant. Et enfin, réalisez un accompagnement réduit dans la direction de votre volée. Ce qu'il faut retenir pour la volée, une attitude d'attention dynamique, l'orientation des épaules, la présentation du tamis face à la balle, une frappe de balle en avant du corps tout en avançant. Mon conseil pour travailler la volée, présenter la raquette face à la balle, puis la frapper en avançant.